Le Royal Moza Tennis Club à Angis accueille la première édition du Prayon Belgium Open. Ce tournoi est doté de 10 000 $. Le Moza était un club qui a été en chantier pendant pas mal d'années, parce que le club a été rénové. Pendant les 3-4 années de travaux, le club a souffert énormément. Et ici, on voulait montrer qu'il y avait un renouveau, que le club vivait à nouveau et qu'on avait envie d'amener une épreuve prestigieuse sur le site. Voilà. La finale se joue entre l'Allemande Viviane Heisen et la Philippine Katarina Lehnert. Lehnert prend un départ de feu dans le premier set. La Philippine de 21 ans pousse systématiquement son adversaire à la faute. La 620e joueuse mondiale remporte aisément le premier set 6-3. Le scénario se renverse dans le deuxième set. Heisen trouve son rythme et revient en force dans la partie. L'Allemand de 21 ans gagne à son tour facilement le deuxième set 6-2. Dans le troisième set et dernier set, Lehnert se ressaisit et reprend totalement les commandes du match. En un rien de temps, elle se voit mener 5-0. Heisen parvient encore à sauver l'honneur, mais c'est bien Lehnert qui empoche le troisième set 6-1. La Philippine gagne ainsi son deuxième titre de la saison. Yeah, I was a bit nervous because we are good friends and we know us each other like when we were 7, so it was really tough for me. First set, I just played consistent, solid, so she makes a lot of mistakes. And then in the second set, she changed her game, so she played more aggressive. So I was not used to it, so I changed my game. I also tried to play very aggressive, and yeah, mentally now I'm very good, so that's why I won. La toute première édition du Prayon Belgium Open est bel et bien clôturée. Un bel avenir attend la gagnante. We Are Tennis Belgique, aussi sur Facebook, avec BNP Paribas Fortis.